Bonjour. Bonjour. Tu t'es encore levé cette nuit? Oui. Tout sera fini dans 15 jours. Sauf si on lui accorde un autre sursis. Non. Il n'y aura plus de sursis. Ce n'est pas nous qui avons décidé de sa mort, c'est un jury. Mais on va le tuer en notre nom tout de même. On va le tuer au nom de l'État, Jack, et de la justice. Cette mort, nous l'avons tous les deux voulu. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je l'aurais même tué moi-même si j'avais pu. Mais c'était il y a 6 ans, ça. Je sais que c'était il y a 6 ans. Je trouvais que ce n'était que justice. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Ça me fait l'effet d'une vengeance. Selon Macmillan, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes à ce stade. Ça fait un moment que j'en ai. Je veux le voir mourir. Je veux qu'on en finisse avec ça. Et si c'est sans effet, si malgré son exécution, on en reste toujours au même point? Il va falloir qu'on se mette d'accord avant l'audience de recours en grâce. Je n'y vais pas, Connie. Je ne vais pas à l'audience. Et depuis quand, dis-moi, depuis quand as-tu décidé que tu n'irais pas? Je regrette. Je ne veux plus me mêler de tout ça. Mais tu y es mêlé, Jack. Tu es son père. Et je te jure que tu iras à cette audience. Salut, Anne. Salut. L'équipe de télé est arrivée à quelle heure? 7h30. Et Paul Macmillan? Il y a 5 minutes. Il y a une poignée de manifestants devant la prison. Ils vont compter les jours restants avant l'exécution. Nous aussi. On a envoyé des gens? Ils sont postés juste en face. Ok, je reviens tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Connie Murphy, la présidente de Parents pour la Justice et du district attorney de Denver, Paul Macmillan. Monsieur Macmillan, l'exécution de John Burke doit avoir lieu dans 15 jours. Est-il pensable qu'elle soit de nouveau retardée? Nous sommes préparés à toutes sortes d'éventualités. Cela dit, l'exécution de Burke a été décidée dans un tribunal, par un jury de pairs, ce qui est tout à fait le genre de justice que la population de cet État demande. Mais en réalité, il s'agit de bien plus que cela. Connie et sa famille ont souffert pendant 6 ans. Et cette exécution leur apportera la conclusion qu'ils souhaitaient. Ils verront que justice est faite. Et que leur fille n'a pas été oubliée. Connie, de quand date votre engagement au sein de Parents pour la Justice? Il date d'il y a 6 ans après que Burke ait assassiné notre fille. J'étais animée d'une telle rage que je ne savais plus quoi faire. Alors, je suis venue ici et j'ai passé des coups de fil, envoyé des lettres. Et ça m'a vraiment réconfortée. Réconfortée de me retrouver avec des parents qui sont dans la même situation. Et je suis présidente de la section de Denver depuis 2 ans. Ressentez-vous encore cette rage? Il y a 6 ans, le 25 mars, ma fille a été assassinée. Elle avait 16 ans. Lorsque mon mari et moi sommes allés identifier le corps, les coups de feu l'avaient défigurée. Elle était en fait pratiquement méconnaissable. Ma rage est ce qui me rend forte. C'est ce qui me fait vivre. Ce crime m'a transformée. Et a changé ma vie pour toujours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, 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 je ne te prête pas ma voiture. Tu risques de l'emboutir. De toute façon, elle est bonne pour la casse. Et sur quoi elle l'emboutirait? Elle n'a qu'à prendre la tienne dans ce cas. Mais maman, j'adore ta voiture et en plus, dans quelques temps, elle sera à moi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas nous faire à dîner ce soir? Steak au poivre, enchiladas au poulet ou lasagne aux légumes? Steak au poivre. Lasagne. Enchiladas. Sans hésiter. Merci. Alors? Ce que j'en dis,
Ben, si je comprends bien, on te lâche dans la nature avec en tout et pour tout une boîte d'allumettes et un hameçon. Non, ça c'est en fin de séjour. Au début du stage, on apprend à développer autonomie et confiance en soi. Je ne sais pas, ça a l'air dangereux. Tu te rends compte? L'escalade? Maman, je peux y arriver. Je veux y aller, je veux faire ce stage. Je ne sais pas. On va y réfléchir. Ça changera ma vie pour toujours. Nancy Canton, je suis Jack Murphy. Monsieur Murphy, je suis surprise de vous voir. Oui, je sais, c'est assez inhabituel. Je veux parler à votre client. Vous avez raison, c'est inhabituel. Je regrette, mais ça ne ferait que rendre la situation encore plus insupportable. Insupportable? Pour qui? Burke? Pour nous tous. Ce n'est pas mon affaire préférée, monsieur Murphy. Parce que vous allez perdre? Parce que John Burke va être exécuté. Parce que sa fille va en souffrir. Et qu'à chaque fois qu'un enfant souffre, je ne me sens pas à l'aise. J'ai moi-même deux petites filles, je suis mère. Et moi, père. C'est ma fille qui a été assassinée. Je vous demande juste de lui poser la question. Je ferai ce que je peux. J'ai droit qu'à deux coups de fil encore. C'est tout ce qu'il m'accorde ce mois-ci. Ça ne va pas, ça. Je vais m'en occuper. Je vais m'adresser à la cour de district. Je serai débouté. L'évêque Cole doit venir à l'audience de recours en grâce. À quoi bon? C'est un comité indépendant. Ils bossent tous pour le gouverneur. Le gouverneur ne sera pas là. Il n'a pas à être présent. Il a fait campagne pour la peine de mort. Vous croyez que son comité va dire quoi? Commuer sa peine? Accorder-lui un sursis? Moi, je peux vous dire que ça n'arrivera pas. En tout cas, pas à moi. Votre mère va amener Lisa à l'audience. Elle ne peut pas faire ça. Je crois que si. Non, elle ne peut pas! Je ne veux pas que Lisa y aille. Vous direz à ma mère que j'ai dit non. Vous lui direz bien que j'ai dit non. Elle ne cherche qu'à vous sauver. Je ne veux pas que Lisa les supplie de me laisser la vie. Elle a assez souffert comme ça. Lisa, tu es prête? Je suis en train de lire la lettre de papa. Je vais être en retard chez le médecin. Je n'ai pas fini. Lisa, allez. Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas te laisser seule à la maison. Pas avec tous les journalistes qui sont dehors. Je hais ces sales vautours. Allô? Bonjour ma grande, c'est moi papa. Oh papa, je lisais ta lettre à l'instant. Ça va? Si tu savais comme tu me manques. Tu me manques aussi ma grande. Ça va toi? Ça peut aller, oui. Bien, tant mieux. Tu me passes ta grand-mère? Mais j'ai quelque chose à te dire. J'en ai pour une minute, chérie. S'il te plaît, papa. Allons, passe à moi. Allô, John? Maman, je ne veux pas que Lisa vienne à l'audience. S'il n'y va pas, elle risque de le regretter toute sa vie. Je t'interdis de l'amener, c'est compris? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je me bats pour ta vie, John. Et si le comité n'arrive à rien? Laisse-moi les mains libres, John. Laisse-moi t'aider. Elle va penser que c'est sa faute. Donne-moi l'appareil. Passe-moi Lisa. Surtout ne la trouble pas, elle est déjà assez troublée comme ça. Je vais être en retard chez le médecin. Quand peux-tu rappeler? Demain. Alors à demain. C'est ça. Au revoir. Ah.
Laissez-moi, Madame Burke, juste un mot. Croyez-vous que votre fils a des chances d'obtenir un autre séjour à l'exécution? Allez-vous-en d'ici. Madame Burke, pouvez-vous aller voir le gouvernement et lui parler? Madame Burke, regardez par ici. Madame Burke, je ne répondrai à aucune de vos questions. Madame Burke, comment votre petite fille réagit à cette situation? A-t-elle des camarades à qui se confier? Madame Burke, est-ce qu'on va vous donner au moins une chance de parler au gouverneur? Attendez, juste un mot. Madame Burke, s'il vous plaît, ne partez pas. Madame Burke. Madame Burke. Salut. Salut. Tu as dîné? Oui, en rentrant du bureau. Tu as mangé quelque chose de bon? Un plat surgelé. T'es vu aux infos avec Macmillan? Et comment tu m'as trouvé? Très bien. On a vu la famille de Burke aussi. Sa mère et sa fille. Elles essayaient de sortir de chez elles. Les journalistes les bombardaient de questions. Elles avaient l'air épouvantées. La gamine surtout. Sa fille, Lisa. Personne n'a jamais dit que ça allait être facile, Jack. Je doute que ce soit vraiment une consolation pour elle. Écoute, si John Burke se souciait tellement du bien-être de sa famille, il aurait dû y penser avant de tirer une balle dans le visage de notre fille. Je t'en prie, Connie, cet enfant n'a que 11 ans. Dans 15 jours, son père va être exécuté. Je me fiche pas mal de Burke et de ce que ressent sa fille. C'est ce qu'on éprouve, nous, qui compte. Et d'être loyaux envers Jenny. Ralentis un peu, tu vas un peu trop vite. Mais non, je vais pas trop vite. De toute façon, il serait temps que tu entames, disons, une petite marche arrière et que tu te gardes. Ok, rien de plus facile. Et c'est ce qu'ils disent tous. C'est qui tous? Tous, c'est ce qu'ils disent tous. Au fait, et le prospectus sur le stage? C'est pas des vacances sous la tente qu'ils proposent. C'est un stage de survie comme en font les Marines, quoi. Bref, on hésite beaucoup, ta mère et moi. Hé, dis, tu oublies que tu devais faire marche arrière et te garer. Vous faites toujours ça. Quoi, ça? Moi et maman, vous parlez toujours de ce que vous ressentez, vous, et jamais de ce que je ressens, moi, alors que c'est moi qui suis concernée. D'accord, maintenant, gare-toi. Rien de plus facile. Jack, un appel pour vous sur la une. C'est Maître Calton. Vous avez rappelé M. Calton pour décaler votre rendez-vous? Oui, on s'est mis d'accord pour le reporter cet après-midi au même. Maître Calton, j'écoute. Monsieur Murphy, j'ai parlé à M. Burke, il est d'accord pour vous voir. J'en ai aussi parlé au directeur de la prison. Vous n'aurez qu'à vous présenter au pénitencier aujourd'hui entre 13 et 15 heures. Tout a été arrangé. Puis-je donner confirmation de votre visite à M. Burke? Oui. Oui, je vous remercie. Elle aurait 22 ans. Oui. Elle aurait 3 ans d'université derrière elle. Et préparerait son master en architecture. Ah oui, tu crois? Elle voulait être comme toi et elle avait un sacré coup de crayon. Moi, je crois qu'elle se serait donné un an pour aller en Europe avec des amis. C'est possible. Je repensais à l'époque où elle a fait ses premiers pas. À 10 mois, elle s'est levée et elle a marché. Sans préavis. Sans se tenir au meuble, elle a foncé. Et elle n'avait peur de rien. Elle était si belle et si drôle. Tu te souviens de ces chats qu'elle recueillait? Oh oui.
Elle avait beaucoup de cœur. Est-ce que tu crois que... qu'elle aurait voulu que Burke se fasse exécuter? Pourquoi tu me demandes ça justement aujourd'hui? Parce que je suis là. Que c'est son anniversaire. Qu'il a une fille et puis... que je ne sais plus où j'en suis. Moi, je sais où j'en suis. Et je ne veux plus entendre parler ni de tes doutes, ni de tes suppositions. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Comment on a pu en arriver là? Elle n'aurait pas voulu cette situation. Alors, ça a été? Très bien, elle n'a eu que deux accidents sur la route du retour. Et je n'étais dans mon tort que pour un seul d'entre eux. Oh, non, pas ça. Je l'ai trouvé dans le parking, Charles. Ton père le sait, et toi aussi. Et Jenny. Maman, écoute, j'ai déjà ramené deux chats abandonnés à la maison. Oh, si. Et ils t'aiment tous les deux beaucoup, pas vrai? Si. Et toi aussi, tu les aimes. Ah, si. Alors, en fin de compte, tout ce que je fais, c'est de t'apporter un autre petit bout de chou à aimer. Il est plutôt mignon. Très bien. T'es un amour. De toute façon, vous serez ravis de les avoir, tous ces chats, quand je serai en vacances cet été en train de camper. Jack Murphy, je viens voir John Burke. Abattons la haine. Sauvez John Burke. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, bon Dieu? Pendant 6 ans, toutes les occasions vous ont été bonnes pour les persuader de me mettre à mort, et aujourd'hui vous vous taisez? Vous ne trouvez pas légitime qu'on vous tue? À vous de me le dire. Vous avez tué mon enfant. Espèce de fumier. Saleté de pervers. Pendant ces 6 ans, j'ai vécu en vous haïssant. Et je vous ai tué. Des centaines de fois. Ma femme ne vit que pour vous voir mourir. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Je veux vous punir, mais en vous exécutant. C'est votre famille qu'on va punir. Le jour où vous avez tué mon enfant, j'ai totalement cessé de croire en Dieu. Je veux retrouver la foi. Je veux retrouver une raison de vivre. Tu ne dors pas, Garcia? Pourquoi je dormirais, mec? Bientôt, on dormira pour l'éternité. Oui. Tu sais la fille que j'ai tuée? Son vieux est venu me voir aujourd'hui. Tu lui as parlé?
Mon avocate m'a conseillé de le faire. Elle m'a dit que ça ferait bon effet à l'audience de recours en grâce. C'est de la foutaise. Et puis qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui parler? 6 années. Et il est aussi ému que si c'était hier. À quoi tu t'attendais, mec? C'est tout de même son père. Le mien de père, c'était un pauvre type. Une espèce de salaud d'ivrogne qui ne décollerait pas. C'est lui que j'aurais dû tuer. Et aujourd'hui, je suis là à attendre la mort. Et mon enfant va rester seul. Je croyais qu'elle vivait avec ta mère. Ma mère est très malade du cœur, elle va mourir. Je ne veux pas qu'on envoie mon enfant dans un foyer. Ça vous fout en l'air. Chérie, je ne le fais pas pour te faire du mal. Si tu ne vas pas à cette audience, Jack, tu me fais du mal. Et tu en fais à Jenny. Il faut qu'on en finisse. Mais cette audience ne va rien changer, Connie. Pourquoi tu refuses de l'admettre? Je suis allé à la prison. Quoi? J'ai parlé à Burke. Comment as-tu pu faire ça? Il le fallait. Il fallait que je le voie avant qu'il soit trop tard. Mais pourquoi? Parce que je voulais savoir qui il était en réalité. Tu sais qui il est? Non, je ne sais pas qui il est. Écoute, j'ignore pourquoi, mais il fallait que je le voie et que je me trouve dans une pièce avec lui et que je lui parle. Connie, je voudrais qu'on tourne la page, mais si on ne change pas d'état d'esprit, on n'y arrivera pas. Moi, si! Avant, on était du même avis à propos de Burke. Tu as changé d'avis et moi, non. Bon, alors dis-moi, si quand tout sera fini, tu vas lâcher parents pour la justice, cesser de manifester devant les prisons, cesser de passer ta vie avec tes parents affligés d'enfants assassinés... Comment oses-tu me dire une chose pareille? C'est tout ce qu'on fait, Connie, c'est tout ce qu'on fait. On revit chaque jour la mort de Jenny à travers la télé et les journaux. Ce que je le fais pour que personne n'oublie jamais ce qu'on a perdu. On n'a pas changé sa chambre depuis 6 ans. Jamais, il faut qu'on l'oublie, jamais. Je ne fais pas le poids face à la mémoire de notre enfant. Mais où tu vas? Je ne dormirai pas une minute de plus avec... Oh, allez, Connie, je ne veux pas te perdre aussi. Peine de mort, plus de mort, plus de mort, plus de mort. Burke, c'est le moment. Plus de 5 jours. Les affaires sont prêtes. Toi, mec. Prends ton temps. On recevrait vos visiteurs ici, désormais. Thank you.
va bientôt être exécuté. Il a tué une fille. T'as rien à faire ici. Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez immédiatement! On se calme, allez! Et toi, rentre chez toi, tout de suite. Allez, vous deux, venez avec moi. Et qui la bonne femme avec laquelle? J'en sais rien. Sa grand-mère, la mère de l'assassin, quoi. Allez, aspire, les filles. Les viens. On a mis ça sur mon casier. Toute l'école l'a vu, j'en suis sûre. Ils ne savent pas que tu souffres, chérie. Entre. Tiens, Jack. Bonjour, Anne. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Oui, je... J'ai un peu laissé tomber, quoi. Ça va, toi? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Plus que 5 jours. Oui. Cette fois, il n'y échappera pas. Connie est peut-être occupée. Elle était au téléphone avec Macmillan, mais elle vient de raccrocher. Merci. Ça va, c'est bon. Ça va, Connie? Eh bien, disons que j'ai des tas de choses à faire avant l'audience de recours en grâce, des coups de fil à passer, des lettres à écrire. Je suppose que tu es au courant des deux frères sur qui on a tiré d'une voiture hier soir. On a invité leurs parents à passer nous voir. Qu'est-ce que tu fais ici, Jack? Je voulais te parler, Connie. J'ai un boulot fou, Jack, et je dois aussi rappeler Macmillan. Ça fait 3 jours qu'on fait chambre à part et je crois vraiment qu'il faut qu'on en discute. Je t'invite à déjeuner. Il y a un resto super sympa juste à côté, le Palais. J'ai même réservé une table. Voilà. Merci. Je prendrai une omelette et un café allongé. Et moi, un crudité jambon frites et un lait chocolaté. Je commande toujours ça quand je viens ici. Tu n'es pas venu ici depuis 20 ans. C'est ce que je prenais, disons. Tu te rappelles quand on a invité tes parents ici? Quand ça? Je venais d'être reçu à mes examens et on les a invités à déjeuner pour fêter ma réussite. Toute sa vie, mon père a souffert de brûlures d'estomac. Il a toujours tenu ce café pour responsable. Ou peut-être bien moi. Aussi, oui. Merci. Merci. Écoute, je me sens mieux dans la chambre d'amis, c'est tout. Quand tout ça sera fini, on pourra reparler de notre vie. Chérie. Je veux que tu ailles voir Burke. Dans 5 jours, il aura disparu pour toujours. C'est une occasion qui ne se représentera plus jamais. Je veux que tu ailles le voir avant qu'il soit mis à mort. Je veux que tu puisses lui dire ce que tu ressens et lui parler de ce qu'il t'a fait. Et j'en ai rien à faire de lui dire ce que je peux ressentir. Il reste tellement de questions sans réponse. Tu l'as dit toi-même. Lui seul peut nous dire ce que furent les derniers instants de notre fille. Ou ce que furent ses derniers mots. Tu ne peux pas le savoir. Ça suffit. Je m'en vais. Tu le veux, non? Tu as toujours voulu le savoir. Je croyais que tu avais changé d'avis et que tu allais venir seulement à l'audience. Tu te caches derrière ta colère pour pouvoir rester insensible. Tu as peur de tes sentiments. T'en as oublié un, hein? Et voilà pourquoi je n'ai eu qu'un enfant.
Non, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce que c'est pour ça que t'es avec moi? Non, on voulait un autre enfant et on a essayé pendant longtemps, mais il ne s'est rien passé. Vous avez vu un médecin? Oh oui, on a tous les deux fait les tests nécessaires, mais rien de clochait. On avait déjà eu un bébé, alors on nous a dit d'être patients, mais rien. Ça vous a contrarié? Seulement déçu. Je voulais un autre bébé. Je voulais que tu aies un frère ou une sœur. Un jour, ton père a dit, les enfants sont les trésors d'une famille. Et Dieu a mis tous nos trésors dans un seul enfant. C'est le truc le plus crétin que j'ai jamais entendu entre nous. Dis surtout pas ça à ton père. Pourquoi vous n'avez pas adopté un enfant? Ah oh non, j'avais trop peur que ça ne marche pas, que ça me démolisse. Tu sais, tout le monde a peur de quelque chose dans la vie. Toi, par exemple, quand tu t'imagines sur une paroi suspendue à une corde au-dessus du vide, ça ne t'effraie pas? Si. Mais il faut affronter ses peurs. C'est le seul moyen de les dominer. J'ai parlé à votre mari. Oui, je sais. Oui, j'ai pensé que c'était pour ça que vous étiez venu. Je ne voulais pas vous parler. Pourquoi? Avec votre mari, c'était d'homme à homme. Et ça, je connais. Mais vous, vous êtes... sa mère. Je savais que vous resteriez planté là, à me regarder comme ça. Comment je devrais vous regarder, d'après vous? Je comprends. Ne dites pas ça. Je vous le défends, vous entendez? Ne me dites plus. Ne dites plus jamais que vous me comprenez. Ma fille est allée au cinéma et elle n'est jamais rentrée à la maison. Et depuis ce soir-là, rien n'a plus jamais été pareil dans nos vies. Je me lève avec elle tous les matins. Et je m'endors également avec elle tous les soirs. J'ai voulu crever. Oh oui, je voulais crever moi aussi. Mais je n'ai pas pu. Car je devais vivre. Car je devais vivre une longue, longue vie. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis fait un serment à moi-même. Le serment que j'allais vivre. Afin de vous voir crever. Vous allez obtenir satisfaction. C'est ma fille, Lisa. Sa maman est morte il y a 4 ans. Depuis, elle vit avec ma propre mère, mais ma mère est cardiaque. Quand elle mourra,
Lisa sera recueillie par des inconnus. Votre mari dit qu'il voudrait retrouver une raison de vivre. Quand je serai mort, vous allez avoir besoin... Enfin... Je voulais vous demander si vous accepteriez de recueillir Lisa. Pouvez-vous la prendre avec vous et l'élever? De braves gens comme vous lui apporteraient quelque chose. Je voudrais juste que vous y réfléchissiez. Espèce d'aventure. Non. Je vous hais. Non, rendez-moi ma photo. Vous ne savez pas à quel point je vous hais. Cette photo m'appartient. Ouvrez-moi. Rendez-moi ma photo. Rendez-moi ma fille. Ouvrez. Laissez-moi sortir. Salut. Salut. J'ai su que tu étais allé à la prison. Oui, c'est vrai. Alors, tu l'as vu? Oui. Et tu as envie d'en parler? Non. Allez, quoi? Dis-moi ce qui s'est passé. Ok, je suis allée le voir. Et je me suis plantée juste en face de lui, comme tu me l'avais conseillé. Et alors? Il a osé me demander si je pourrais... si on pourrait élever sa fille après qu'il soit mort. C'est sa photo. Il dit que sa mère est très malade du cœur et il craint que sa fille ne soit placée dans un foyer ou une famille si elle vient à disparaître. Il dit que des personnes telles que nous, enfin, il a dit que des braves gens comme nous pourraient lui apporter quelque chose dans la vie. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Non, je veux dire, tu en as discuté avec lui? Absolument pas. Je ne la vois pas vivant chez nous. C'est vrai. À chaque fois que je la verrai, c'est lui que je verrai à sa place et je me rappellerai ce qu'il a fait à Jenny. Et toi, qu'en penses-tu? Peux-tu seulement l'envisager? Tu te vois amener sa fille chez nous? Tu te vois lui pardonner son crime? Allez, allez, papa! Tu commences à te faire ne mieux! Ne fais pas vieux, je suis comme le bon vin, je me bonifie avec l'âge. Quel est le score, 5-4? 5 à 3, tu n'as que 3 points. Tu peux pas modifier le score sous prétexte que tu perds. Je n'ai que 3 points? Oui. Oh! Et quand tu perds, tu dois redoubler d'efforts, te concentrer sur l'essentiel. D'accord. Tu dois trouver en toi la force qui te permet d'être meilleur. Et c'est ce qu'on a mis à ce fameux stage. J'ai très envie d'y aller, ça me ferait du bien. Je sais. Jenny, si tu veux faire un dîner et aller voir un film... Oui, j'arrive. Qui a gagné? Elle, bien sûr. Pourtant, tu es comme le bon vin. Et si on refuse que tu y ailles? Je serai un peu contrariée, mais je pense que je vous pardonnerai. Ah oui? Oui, parce que quelqu'un qui refuse de pardonner est pire que quelqu'un qui a besoin d'être pardonné. C'est bien trouvé. Mon lecteur d'enfant! Vous n'êtes pas à l'audience? Ma femme s'est chargée d'y aller. Ma femme m'a parlé de ce que vous lui avez dit sur votre fille. Et du fait que vous voudriez qu'on la recueille
après votre décès. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui vous a pris de demander une chose pareille? Hein? Qu'est-ce qui vous a pris? Je voudrais juste lui donner une chose. Faire au moins une fois quelque chose pour elle. Vous et votre femme, vous étiez de bons parents. Et c'est ce dont elle a besoin. Et vous avez besoin de Lisa. Après ce que vous avez enduré. Vous ne savez pas ce qu'on a enduré. Si on est une petite... Non, tu ne le sais pas. Si, je le sais. Je ne vais plus revoir ma fille non plus. Mais moi, je n'ai pas tué ta fille. Elle n'a fait de mal à personne. Ce n'est qu'une enfant. Regardez. Elles ne peuvent même pas attendre l'audience. Faites comme si vous ne les aviez pas vues. Madame Murphy, je suis Lynette Burke et voici ma petite fille Lisa. Madame Jusqu'à Burke, ce n'est ni le moment ni le... Je ne cesserai de me demander ce que j'ai bien pu faire pour que mon fils tue votre fille. Madame Burke, je vous en prie. Je sais qu'il doit payer pour ses péchés, mais Lisa n'a rien à voir avec toute cette histoire. Si vous lui enlevez son père, elle ne s'en remettra jamais. C'est une chose que vous pouvez comprendre, Madame Murphy, je sais que vous le pouvez. Je crois aborder tous les points qui étaient à l'ordre du jour. Vous voyez autre chose? D'apportez-moi le compte-rendu de l'audience préliminaire de l'affaire Burke, je vous prie. Merci. Maître Canton, Lisa Burke souhaite-t-elle toujours s'adresser au comité? Oui, monsieur le président. Très bien. Je vais vous lire une lettre que m'a écrite mon père. Juste un court passage. Je regrette que ça se finisse de cette façon, Lisa. Avec moi ici, dans le couloir de la mort. Et toi, à la maison, attendant qu'on m'exécute. J'aurais voulu t'emmener camper. Je connais un endroit près de Estes Park, idéal pour pêcher, et où les nuits sont claires. C'est un petit coin tranquille. Tu n'y serais plus, Lisa. On aurait pu y jouer et s'y amuser, tous les deux. Je ne veux pas que tu gardes de moi un mauvais souvenir. Ce dont je veux que tu te souviennes, c'est que j'ai été ton père, Lisa. Et que j'étais fière de l'être. Si vous gardez mon père en prison, jusqu'à la fin de sa vie, il continuera quand même d'être mon père. Mais si vous l'exécutez, si vous... Ne tuez pas mon père, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le Président. Maître Canton. Je suis d'avis de suspendre la séance et de reprendre après le déjeuner. Allons. Il nous reste à voir le gouverneur pour lui présenter. Madame, Madame Murphy, regardez pas. Excusez-nous, mes amis. Une autre fois, pas maintenant. Comment c'est passé une autre, Madame Murphy, quel est votre sentiment? Excusez-moi, laissez-moi passer. Pas de photo pour l'instant, je vous prie. S'il vous plaît.
passer. Connie, Madame Murphy, s'il vous plaît. Pardon, laissez-moi passer. Madame Murphy, s'il vous plaît. Monsieur McMillan. Là-bas, les gars, là-bas. Oui, on va bien, on y va tous. S'il vous plaît. Monsieur McMillan, que comptez-vous faire? Je n'ai rien. S'il vous plaît, mes amis, je n'ai rien. Juste une petite déclaration, monsieur McMillan. Oui, ça va. Ça va. Et si on lui accorde un sursis? Si on accorde un sursis, loin d'être certain. Mais même, c'est une éventuelle. Madame Burke, je. Si on lui accorde un sursis, eh bien, ce moment-là. Je suis peinée de vous savoir si malade. Non, il s'agit de. Mais il nous est impossible de prendre sa fille chez nous. Je n'ai jamais. Vous n'êtes pas au courant? Non, manifestement pas. Vous n'avez même aucune idée de ce dont je suis en train de vous parler. Allô? Votre fils nous a demandé si on accepterait de recueillir Lisa au cas où il vous arriverait quelque chose. Merci. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. En fait, je pensais que votre fils vous en avait parlé, mais... Oui, je suis vraiment désolée. Chacun sait quelle est ma position là-dessus. John Burke vient de se voir accorder un sursis par le 10e district judiciaire. Oh, on lui a accordé un sursis. Ça change. Faites entrer McMurphy, je vous prie. Bien, monsieur. Jack, comment ça? Bonjour, Paul. Prévenez le bureau du gouverneur que j'aurai un quart d'heure de retard. Bien, merci. Je vous remercie de me recevoir. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que vous contestiez le sursis. Qu'est-ce que vous dites? Ne contestez pas le sursis. Oh, je regrette, c'est impossible. Une exécution est un processus. Je ne peux pas, au bout de 6 ans, l'interrompre comme ça. Parlez-en au gouverneur et au comité. Le comité a refusé de le gracier. Le gouverneur en fera autant si on implore sa clémence. Non, pas si vous lui dites que vous n'allez pas contester le sursis. Je vais de ce pas au bureau du gouverneur. Après quoi, je saisirai la Cour suprême et je ferai en sorte que ce sursis soit annulé. Ainsi, Burke sera exécuté comme prévu. Vous disiez agir pour Jenny. Pour nous, qu'on y trouverait une espèce d'apaisement. Une satisfaction, et c'est faux. Je regrette que vous ne l'ayez pas trouvée. Elle est là si on la cherche. Pour vous, peut-être. Au fond, vous n'avez fait que servir vos intérêts. Il ne s'agit pas de moi, Jack. De quoi s'agit-il, alors? Il s'agit de deux choses. Il s'agit de justice, et il s'agit d'autorité. De justice pour le peuple, d'autorité de l'État. Et une exécution n'est jamais que cela. Vous direz à Connie que je vais l'appeler. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Tu as pu parler du sursis à ton avocate? Elle ne sait encore rien. Il sera maintenu ou pas. Comment va Lisa? Elle est surtout triste. Maintenant. Connie Murphy m'a dit que tu lui avais demandé d'élever Lisa. Je comptais t'en parler. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ma petite fille, John. C'est ma fille. Si tu m'enlèves Lisa, je n'aurai plus rien. J'ai besoin d'elle. Et elle de moi. Elle a besoin d'un père. Tu me dois bien ça. Je ne te dois absolument rien. Tu m'en veux toujours pour lui? Tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter. Il me battait aussi. Pour l'instant, on doit penser avant toi, Lisa. Que j'ai ou non un sursis, je ne vais pas pouvoir être là pour elle, et toi non plus. Nous sommes tous les deux condamnés à mort. On doit faire ce qui est le mieux pour elle. Connie?
Les Williamson t'attendent. Qu'est-ce que je suis censée leur dire? Qu'à travers la justice, ils retrouveront apaisement et envie de vivre. J'aurais voulu que tu la voies. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Fixement. Comme si elle implorait le pardon pour ce que son père a fait. Si Burke tient tellement à elle, il aurait dû y penser avant de tuer Jenny. Je sais qu'en principe, je devrais aller dire à ses parents de se montrer fort. Dire à ses parents de se servir de leur colère pour que justice soit faite. Mais tu vois, lorsqu'enfin on exécutera l'homme qui a tué leur enfant, tout le monde passera à autre chose et avancera. Et eux resteront seuls. Seuls avec leur souffrance. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux Williamson? Dis-leur... Je ne sais plus. Je n'ai plus le cœur à ça. Je crois que tu as oublié une casserole. Tu sais, la petite, tu pourrais y faire fondre du beurre ou quelque chose. Non, non, je ne veux pas savoir tout ce que je pourrais faire. Ça sent rudement bon, en tout cas. Ah, ma belle et bordélique fille qui sait cuisiner et conduire. Mais j'ignore si cet été, elle fera de la varappe. On n'a pas encore pris de décision. Tu es toujours en train de me protéger. C'est normal, tu es ma fille. Tu ne peux pas m'empêcher de vivre tout de même. Écoute, c'est pas si simple. Pourquoi ça? Même si mon cœur me dit que tu dois faire ce stage et que tu en es capable... Et c'est vrai? Ma raison me dit que tu as 16 ans. Et que tu es encore trop jeune. Peut-être l'an prochain. Maman, si tu ne te fies pas à ton cœur, à quoi veux-tu te fier? Je t'ai entendu entrer. Qu'est-ce qui se passe? À l'audience, je l'ai rencontré. Lisa. On pourrait l'aider, peut-être. Notre fille n'est pas remplaçable. Je ne vais pas échanger une enfant contre une autre. Je ne veux pas remplacer Jenny. Je veux avancer avec toi. Et je ne sais pas... Peut-être que de l'aider nous aidera à passer à autre chose. Je ne pourrais pas. Pourquoi? Je serais incapable de lui ouvrir mon cœur. Qu'est-ce qui te fait si peur? J'ai peur de trahir Jenny. Tant que je continue à me battre, je suis avec elle. Si je baisse les bras, je la perdrai pour toujours. Allô? Oui? Ah. D'accord. Oui, merci. Au revoir. C'était Macmillan. La Cour suprême de l'État a annulé le sursis. Il est donc de nouveau question d'exécution. Thank you.
décision vient de tomber. Ma famille le sait. Votre avocate va le leur dire. On va vous demander si vous avez besoin de quelque chose, ce que vous voulez, pour votre dernier repas. Monsieur le directeur. Il n'y a pas de lettre pour moi? Non, pas aujourd'hui. Ni de coup de fil? Non, rien. Je pensais peut-être avoir des nouvelles des Murphy. Bien, allons-y. C'est un journaliste, nous n'avons rien à lui dire. Oui, je sais. Merci. Nancy! Je vous en prie, Lynette, restez assise. Je vous sers un café. Non, merci. Je ne fais que passer. La Cour suprême a annulé le sursis. Je suis désolée. Il n'y a vraiment rien à faire. Je vais faire appel auprès du gouverneur, mais... C'est demain? Demain soir. Vous devriez aller le voir. Lui dire au revoir. Oui. C'est bon. Nous nous lèverons tôt demain matin. Nous mettrons nos plus beaux habits. Puis on ira à la prison. Puis dire au revoir. Oh, Lynette! Mamie! Appelle le SAMU. Dis-leur qu'il nous faut une ambulance. Il y a assez d'argent? Mais oui, papa. Et le père de Laurie doit venir vous chercher, c'est ça? Non, son frère. Il est aussi censé la déposer ici, mais il est toujours en retard. Tu peux m'appeler si tu veux. Je viendrai te chercher. Écoute, ça va aller. Je sais. C'est juste au cas où. Deux places. Dis, on rentre à la maison. Oh oui, d'accord. Alors, le dîner, ça allait? Sérieux? Oh oui, tout à fait. Ah, oui, c'est le meilleur plat exotique que j'ai jamais mangé. C'était pas trop épicé? Je n'irai pas jusque-là. Dis donc. Cela dit, tes talents de cuisinière vont être précieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais, quand tu seras en pleine forêt avec seulement une boîte d'allumettes et un hameçon. Vous êtes d'accord? Oh, merci, merci beaucoup. Tu me manques déjà. Ça te passera. Salut, Laurie. Bonsoir. Bonjour, Laurie. J'ai déjà pris des billets. Je ne veux pas que tu croies qu'on veut se débarrasser de toi, c'est tout. Ah, je crois pas. D'ailleurs, je suis pas du genre dont on se débarrasse. Il va falloir me supporter à vie. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je comptais y aller, mais... J'ai la tête ailleurs. Qu'est-ce qu'elle peut me manquer? Quelquefois, au cours de la journée, quand je suis en train de penser à elle, je ne me rappelle plus son visage. Alors je dois m'arrêter un moment et regarder sa photo de façon à m'en souvenir.
Tant que je me battais pour elle, je n'avais pas à faire face à tout ça. Je sais, oui. Je n'ai jamais réellement pu accepter qu'elle soit morte. C'est que même si on tue Burke, ce ne sera pas fini. Tu ne t'es pas raccroché à Jenny. C'est à sa mort que tu t'es raccroché. On doit se souvenir de sa vie et pas uniquement de la façon dont elle est morte. Mais pourquoi faisait-elle de l'autostop? Pourquoi elle n'est pas restée avec le frère de Laurie? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas avec Laurie? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas appelés? Je ne sais pas. La Cour suprême annule son sursis. Burke se prépare à mourir. Allô? Ah, bonjour, Anne. Non? Que s'est-il passé? C'était Anne au téléphone. Lynette Burke a eu une attaque hier soir. Elle a été conduite à l'hôpital. En fait, Nancy Canton se trouvait chez elle. Elle était venue leur parler de l'exécution. Lisa a dû appeler une ambulance. On fait quoi maintenant? Je veux que notre fille se sente fière de nous. Je veux qu'on aille à l'hôpital. Tu en es sûre? Oui, j'en ressens le besoin. Merci. Bonjour. Lisa, comment vas-tu? On a su ce qui était arrivé à ta grand-mère, alors on a décidé de passer au cas où on pourrait faire quelque chose. Madame Burke. John avait raison. Vous êtes de très braves gens. Je ne vais plus pouvoir m'occuper de Lisa. Est-ce que vous pourriez la prendre avec vous? Vous devez pardonner à John d'abord. C'est impossible. Je ne peux pas. Je sais que c'est beaucoup vous demander. J'en suis consciente. Vous m'emmenez à la prison? Ça, on peut le faire, oui. Thank you.
Est-ce que tu as envie que je reste avec toi? Non. Très bien. Bonjour, ma grande. C'est les Murphy qui m'ont amené. Ah oui. Je vais vraiment aller vivre chez eux, papa. S'ils acceptent, oui. Les gens sauront s'occuper de toi. Je ne serai pas leur vraie fille. Ils ont besoin de toi. Je suis ta fille. Et tu auras besoin d'eux. Tu es cette fille. Je t'en prie, Lisa, alors. Je veux pas qu'on te tue. Je t'en prie. Ne m'abandonne pas. Tu dois te montrer forte. Lisa. Très forte. Pour nous deux. Quand tu vis, je vis aussi, Lisa. Je fais partie de toi. Et ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Alors j'aimerais que... Arrête de pleurer, tu veux ? T'as compris? Ne pleure pas! Arrête! Écoute, va dire aux Murphy que je veux leur parler. Vas-y. Allez. Je t'aime. Ma grande. Je t'aime. Papa voudrait vous parler. À tous les deux. Je vous remercie d'avoir accompagné Lisa. Je vous en prie.
Est-ce que ma mère va vivre? On pense que non. Et je ne veux pas que Lisa soit là à la fin. J'espérais que vous pourriez lui parler et que vous pourriez rester avec elle. D'accord. Madame Murphy. Ça va aller. Parler. Je vous raccompagne. D'accord. Est-ce que vous aviez l'intention de la tuer? Je n'avais aucune intention. Quand avez-vous pris la décision de le faire? Il n'y a pas eu de décision. Est-ce qu'elle a fait quoi que ce soit pour vous provoquer? Les dessins. Qu'est-ce que vous faites? Laissez ma rue! C'est là que j'habite! Arrêtez! Arrêtez-vous, je vous en prie! Au secours! Au secours! Allez! Au secours! Pourquoi l'avoir tué? Vous allez la tuer combien de temps avant? Je ne sais pas. Non! 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 Ne me faites pas de mal, je vous en prie! Je vous en prie! Je vous en prie, ne me faites pas de mal! Thank you.
yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne sommeille pas. Non, il ne sommeille pas, il dort, le gardien de ça. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. De jour, le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Seigneur, ils sont nombreux, mes oppresseurs, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, je prie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue tous mes adversaires. Les dents des impies, tu les brises. Auprès du Seigneur, le salut. Sur ton peuple, la bénédiction. Tu es en quelle classe, Lisa? En 7e. Tu aimes l'école? Quelquefois. Est-ce que votre fille, elle aimait l'école? Quelquefois.